high as fuck. Vous n'êtes que des catastrophes. Badass boy dans votre appart-corps. C'est grave atroce, t'es la Castafiore. Sur le banc, on a Dark Vador. T'es pas d'accord, t'envoies Gamma. Yo les dragons, arrivés à Cologne. Là, on est à l'hôtel. Donc voilà, je suis avec Joe. Et Hachi qui nous accompagne. Hey. Voilà. Donc là, on est vendredi. On a fait 4 heures de route. On est parti tôt le matin. Là, on est l'après-midi. Donc là, on va au salon. On va voir l'équipe QNT. Music by Rax. Ici, on vient de rencontrer Mister Fedeï de la vie. Salut à tous. Bon, bon Fibo. Et acheter le livre. Les livres. Les livres, ouais, c'est sûr. Sur les sports de combat, il y en a qui est sorti, c'est fait quoi de temps? Il n'y a pas longtemps. Là, ouais. Oui, le guide des mouvements de MMA, le guide des mouvements de pied, le guide de musculation pour le fight. Donc si vous voulez connaître les bases de la musculation, vous achetez tous les livres de Mister de la vie. Plus vous m'en achetez, plus rapidement je peux m'offrir un nouveau 4x4. Yo 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 les dragons, premier jour fini, donc c'était court, on est venu que l'après-midi, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc là on go, check l'hôtel de cheat, après on va manger dans le centre de Cologne, go. Bon là j'arrive à voir tout vu que j'ai un grand angle. Yo yo yo, donc là on est arrivé au centre-ville de Cologne, donc je vais pas vous faire 10 000 plans. Parce que de toute façon, si vous voulez avoir plus de plans, bah vous checkez notre ancienne vidéo sur le Fibo. Donc là, on va chercher un endroit pour manger. Parce qu'on a faim. On a la dalle de ouf, on n'a pas mangé depuis ce matin. Donc voilà ce qu'on va manger. Voilà, on a pris un truc, le premier truc venu, et ça a l'air d'être bon. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses à cheat? Franchement, c'est balèze. Après, je sais pas si c'est bon, hein. On va voir. J'espère. Tu peux te faire les croisés sur mon in and out. Tu n'es pas big enough, t'es trop soft, t'es beaucoup trop peace and love. Ta défense est irrécupérable, tes appuis vulnérables. Dernier un contre un, puis funérailles. À l'opposé de ce que t'as envie d'être, l'antithèse d'une sentinelle. T'es trop court, je te rends 20 bons centimètres. En plus, je suis ambidextre, un défenseur sanguinaire. Des poussières, ton jeu, on se croirait chez l'antiquaire. 6-5-4, balle de match, fin des 24. Qui pour le game winner? Je shoot au buzzer. 3-2-1 seconde avant game over. Je shoot au buzzer, 1, je shoot au buzzer. 6-5-4, balle de match, fin des 24. Qui pour le game winner? Je shoot au buzzer. 3-2-1 seconde avant game over. Je shoot au buzzer, 1, je shoot au buzzer. Du training dédicace à mes potes runners et pour mes porteurs à la salle, force honneur. Le cuir est à la fois leur bourreau et mon porte-bonheur. Passe en vue leurs 5 majeurs, ils sont morts de peur. Le langage du corps indique que tu portes le deuil. Leur bandouche est tétanisée, ils te portent l'œil. J'suis un shot blocker, club smoker, call porter, crossover, globetrotter, putain de playoff, top scorer. Couple ciblé à ta team de vendeurs, footlocker. Dans les gradins que des thugs, Harlem Glock, popper. Une seconde avant game over. Je shoot au buzzer, 1, je shoot au buzzer. 6-5-4, balle de match, fin des 24. Qui pour le game winner? Je shoot au buzzer. 3-2-1 seconde avant game over. Je shoot au buzzer, 1, je shoot au buzzer.
Ouais, 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 j'suis un vieux de la vieille. J'suis fait un peu de la veille. C'est le feu que j'ramène, le jeu j'm'amène. Hey, tu n'es qu'un jeu de la haie. 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 Ouais, 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 j'suis un vieux de la vieille. J'suis fait un peu de la veille. C'est le feu que j'ramène, le jeu j'm'amène. Hey, tu n'es qu'un jeu de la haie. 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 En lo-fi sur la grosse trap. À titre sur la ghost track, j'ai des Jordan, j'ai le costard. J'ai eu 5 Mike, t'es mon otage. T'es en garde à vue, j'suis le vodka, j'suis le well done, t'es le dommage. T'es la flatline, j'suis le dodan, j'suis le pipeline, t'es le chômage. T'es une arnaque, j'suis ton cauchemar. J'ai les high five, t'es le tocard. T'es la banane, j'ai les Oscars, je suis l'asphalte, tu fais le trottoir. La fast life et les dollars, les drive-by et les go-fast. Yo, ta life, c'est des bobards, j'fais les highlights, toi le dopage. Wow. Monte le son dans le casque, ma team est haut dans le sky. Prends le vent dans le stade, on est devant dans les stats. Plus de 20 ans dans le sale, tu pensais pas qu'il y avait autant de J'ai deux agents dans le sas, c'est mieux tu mets juste l'argent dans le sac. Ouais ouais ouais, j'suis un vieux de la vieille. Tu fais un peu de la veille. C'est le feu que j'ramène, le jeu j'm'amène. Hey, tu n'es qu'un jeu de la haie. 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 Ouais ouais ouais, j'suis un vieux de la vieille. Faites un peu de la veille. C'est le feu que j'ramène, le jeu j'm'amène. Hey, tu n'es qu'un jeu de la haie. 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 Monte le son dans le casque, ma team est haut dans le sky. Tu prends le vent dans le stade, on est devant dans les stats. Plus de 20 ans dans le sale, tu pensais pas qu'il y avait autant de J'ai deux agents dans le sas, c'est mieux tu mets juste l'argent dans le sac. Aïe as fuck, vous n'êtes que des catastrophes. Badass boy dans votre appart-corps. C'est grave atroce, t'es la castafiore. Sur le banc on a Dark Vador. T'es pas d'accord, t'envoies Gamma Corp. Va laquer la page sur ton Mac laptop. Petite une page de mon catalogue. Souviens-toi de moi comme ce bâtard prof. Tu veux pas la slurf dans la bagarre. Fuck, drogue dans le placard, carnage gore. Je croise que des cadavres, dans la trappe je marche sur des macaques morts. Eh, ouais je suis un vieux de la vieille. J'suis fait un peu de la veille. C'est le feu que j'ramène, le jeu j'm'amène. Hey. Ouais ouais ouais, j'suis un vieux de la vieille. J'suis fait un peu de la veille. C'est le feu que j'ramène, le jeu j'm'amène. Hey, tu n'es qu'un jeu de la haie. 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 Ouais ouais ouais, j'suis un vieux de la vieille. J'suis fait un peu de la veille. C'est le feu que j'ramène, le jeu j'm'amène. Hey, tu n'es qu'un jeu de la haie. 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 Vas-y, vas-y. Vas-y, ok. Wesh mon gros. Bien quoi frérot, ça dit quoi? Bien ou quoi? Tranquille, on est là, tu vois. Tranquille. On est là, il fait froid, pépère, tu vois. Hervé, oh là là, j'ai goûté le son. Oh là là, eh gros, il est lourd, hein. Voilà, lourd, 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 lourd. Voilà, lourd, rien à dire. Lâche pas, tu vois, continue, lâche pas. Yo yo yo, les dragons arrivés à la chambre d'hôtel, il est 1h du matin. Voilà, on a fini l'entraînement. C'est un entraînement, on a fait dos, épaules, avec Atit. Donc Atit, c'est le mec, vous savez, où je mets ses sons de rap français, voilà, où il rappe. On a déjà mis ses liens en descriptif, dans la vidéo, on va le mettre et tout. Voilà, lui à la base, c'est un MC, je le connais de l'époque que je faisais de la danse hip-hop. Voilà, je le connais, c'est un ancien. Voilà, il rappe, il a toujours été dans le milieu hip-hop et c'est un ancien basketteur aussi. Du coup, pour un Asiat, vous avez vu, il est quand même assez grand et super fin. Et lui, il a un métabolisme super rapide, il a du mal à prendre. Après, bon, il n'a pas une hygiène de vie top par rapport à son travail, il travaille beaucoup de nuit. Donc là, c'est la première fois qu'il a fait un entraînement avec nous. Donc voilà, c'était cool. Moi, comment je me sens aussi par rapport à ma sèche? Toi, Joe, tu te sens comment? T'as combien en fait depuis Creed là? Je suis à 80 ou 81 kilos. Tu restes à la base, t'étais à combien quand t'as commencé Creed? 82-83. Ouais, il est resté à peu près au même poids. Il a peut-être perdu un kilo, ouais, mais il a pris du muscle. Il a perdu de la merde. Là, il est bien sec, je trouve. Ouais, bon, en fait, il est au 1m80 pour 81-82 kilos. Quoi. Ouais, moi, je suis, je sais pas, je suis à combien, mais à la base, à la fin de ma sèche, j'étais à 71-200, je crois, ou 300. Donc, j'étais à peu près pareil par rapport à ma taille. Là, je l'ai senti quand on s'est entraîné. On était sec, il y avait des veines, mais chanté quand on a comment dire, vu qu'on n'avait pas beaucoup de glucides et tout, on n'a pas bien mangé aujourd'hui. Surtout qu'on était au salon, on s'est levé tôt. Le salon, on a juste mangé de la merde, entre guillemets, mais juste un repas. Du coup, je pense qu'on est toujours en déficit calorique. Et franchement, j'avais du mal à congestionner. Mais par contre, il y avait les veines, on était assez sec. Donc voilà. Donc on verra demain ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas faire trop de rétention d'eau. Moi, j'ai peur de ça, c'est la rétention d'eau.
Et puis, puis voilà. Ouais, c'est vrai, c'est ça, moi, c'est ma phobie au final. Parce que je me voile assez rapidement. Donc voilà, après au salon, bah, l'après-midi, il n'y avait pas beaucoup de monde, on était vendredi. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir la team QNT, tout simplement. Et demain, je pense qu'il y aura un peu plus de monde, mais demain, c'est le seul jour où on va bosser. Et dimanche, on va chiller. Dimanche, on va retourner à la Fit Expo, mais plus en mode visiteur, tranquille. Par rapport à l'année dernière, on avait enchaîné les 3 jours, 4 jours même. Donc voilà, là, on est vraiment fatigué, on va se poser. Et on va dormir, tout simplement. Je vous laisse là, les gars. Donc désolé si on n'a pas fait des plans de colonne, la ville et tout, etc. Parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière, donc je vous invite à aller voir la vidéo de l'année dernière. On avait fait des trainings dans la même salle où on a été. Donc voilà quoi, le FIBO, on va pas toujours vous montrer la même chose. Donc là, on prend quelques points, on vous partage un peu en mode vlog ce qu'on fait. Et un peu notre shape que vous avez pu voir pendant notre training. Bon, on en fera qu'un, on en fera pas deux. Je pense qu'on a Ekatit, on va pas lui imposer trop de muscu. Et puis voilà, c'est tout. Yo les dragons, bon, je vous montre un petit truc, tellement que je suis fou. J'ai pris 4 paires de baskets. Je vous montre. Alors, celle-ci, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Donc, c'est des Air Max 95. Je vous ai déjà montré dans un vlog. Voilà, des Nike collab avec Art. Voilà, il y a du orange. Donc, voilà, ça va avec mon OQNT. Donc, j'ai pris ça pour la rocker aujourd'hui. Rocker, c'est-à-dire mettre dans le jargon sneakers. Là, la paire de Converse, celle-ci, pour aller s'entraîner. Ça, c'est pour traîner dehors. La paire de Converse comme les garçons. Et celle-là, c'est pour demain. Celle-là, elle est lourde. Hein. Ah, et demain, je vais mettre celle-là. Voilà, c'est tout. Et regardez ce qu'il a au pied. Pour aller chercher les radis. Voilà, t'es bien dedans. Ouais. Franchement, ça va. Je vais me laver, je vais vous montrer qu'avec l'eau froide, on peut gagner du muscle. Non, c'est si tu peux sécher. Oui, Anna, il faudrait. Putain, les conneries, les gens. Putain, ouais. Moi, je vais vous montrer qu'en dormant 4 heures, on peut. Le métabolisme est pas augmenté et on peut brûler du gras. Attends, vous savez grâce à quoi les gars? Je vais vous montrer un petit placement de produit. La Maxi L-carnitine de QNT. Alors tu prends ça avant de dormir, tu dors 5 heures ou 6 heures et le lendemain t'as perdu facile 1 kg de flotte. Et ouais, moins 20% avec le code dragon sur QNTDirect.com. J'espère qu'on est pas pris au sérieux. Hein. Mais c'est les moins 20%, ça marche, non? Code dragon. Et après, vous n'allez pas perdre 1 kg là. Vous allez perdre 2 kilos. Yo 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 et dragon, aujourd'hui samedi. Donc c'est notre dernier jour au FIBO pour nous au niveau du travail parce que demain on viendra en tant que visiteur. Et du coup demain je pense que on pourra plus vous faire des plans sur les stands, etc. Sur le test de machine, vu qu'on sera pas en train de bosser. Donc voilà, là il est 11h. Donc on ne nous a pas donné d'heure particulière cette année pour bosser. C'est un peu en freestyle. Donc on vient à 11h puis on va rester toute la journée. En espérant qu'on ait vu quelques abonnés, hein, pour le peu de français qui vient. On en a vu hier déjà, c'était cool. Donc dédicace à vous, je ne me rappelle plus de vos prénoms. Donc, ouais, vous venez d'Alsace. Donc, voilà, ça nous a fait plaisir de voir que il y a des gens qui nous suivent, qui sont venus nous voir. Et qui disaient qu'on avait un bon physique. Donc c'était cool, ça nous fait plaisir. Donc voilà, allez, on se retrouve à l'intérieur. Et on vous filmera quelques trucs de la journée. Let's go. Yeah.
voilà, là on mange clean. On a trouvé un truc. Donc toi c'est quoi? C'est du riz, du poulet, et des brocolis, ils ont déjà mangé. Halal. Toi c'est quoi? Sweet potatoes, chicken breast, brocolis. Patates douces pour ceux qui n'ont pas compris. Et moi des lentilles, des patates douces et des brocolis. Ça déchire. Voilà, là on mange clean, c'est à côté de notre stand, pas loin. Et ce soir on se fera un cheat meal. Forever. Toujours. Hartung. Oh, il a compris quelque chose. Hartung. Il a traduit forever. Hartung. C'est déjà quoi Hartung? Attention. C'est vrai. Bon les dragons là, ça y est, journée terminée. Bon maintenant. Ouais, c'était bien. J'ai un peu la voix cassée, il me semble. Ah, c'est parce que j'ai trop utilisé le mic à faire des challenges. Je me suis découvert un nouveau projet de travail. Donc là, on va aller à Cologne, on va manger. Bah, comme d'hab, je sais qu'on va pendant une pige, on va chercher à manger. Ah ouais. Peut-être le temps de faire des magasins, c'est fermé à 20h, il est quelle heure? 19h. Je pense pas. Bon, pas le temps. Ça tombe bien, comme ça, pas de magasin, on crame pas d'argent. Bref, allez, on se retrouve là-bas. Donc on mange ça et après c'est direction Fibo. En mode chill, visite. On va aller voir de la vie. Parce qu'il a pas arrêté de venir nous voir dans notre stand. Et ben cette fois-ci ça va être à notre tour. Il est venu nous voir même si ça savait pas c'était qui nous voulait. Yo yo yo, on a fini de bruncher. Donc là on va direction Fibo. Je vais vous prendre peut-être quelques plans. Et voilà. On verra s'il y a des trucs intéressants. Là on est en mode visiteur, on est en mode tranquille. Tu vas faire un tableau de quoi? Ah ouais, voilà. Vas-y, t'as quelque chose à dire? C'est qui le meilleur boxeur pour toi? Jack Johnson, franchement, je vais pas dire fuck Mohamed Ali parce qu'il a quand même fait des bonnes choses, mais j'aime pas Mohamed Ali. Donc renseignez-vous sur ce boxeur là, il y a un documentaire sur lui en plus. C'est dur, c'est la première fois que j'ai essayé. Et franchement, c'est chaud quand même. C'était super compliqué. Il fallait pas que je touche le coude sur la planche. Ah, t'as triché encore. Ah non, mais il m'a dit ça après, j'ai plus fait, t'as vu. Bon, on a enfin trouvé le stand de la Roque. Fred, il est où? Fred, t'es où? On va sûrement croiser Yorm.
la pression que ça te met pour... Le prêt, il est programmé sur... En fait, quand tu pousses, et t'as une pression en plus sur ta phase excentrique et violente. On va essayer 50%. Ouais. Ça peut être pas mal pour avoir une progression, je pense. En plus, quand tu t'habitues, tu prends la vache. Bon les dragons, le Fit Expo est fini, on a fait un petit tour. Bon, on va demander l'avis de Hachid qui lui qui n'est pas dans la musculation, ce qu'il en a pensé. Première fois qu'il va dans une Fit Expo de musculation. Allez vas-y, dis-nous la hate, dis-nous ton vrai ressenti. La hate. Déjà les trucs positifs, moi j'ai trouvé ça grand, j'ai trouvé ça diversifié. Ben, au niveau des compléments, il y a plein de trucs. Après au niveau de la population, c'est chaud. Parce que c'est une concentration, c'est un événement du coup. Tous les gens qui viennent, ils sont dedans. Les mecs, on dirait qu'ils ont bouffé des meubles. Les meufs, elles sont oranges. Là, c'est la hate pure. Ce que j'ai préféré, moi, c'est les appareils. On a rencontré Delavier. Franchement, les innovations technologiques, ouais, c'est sympa à essayer. Après, c'est fatigant. Je pense pas que je pourrais rester là-dedans 3 jours, 4 jours, c'est pas possible. Un jour, 2 jours max. Après, faut se barrer, c'est fatigant, franchement. La hate. Ouais voilà, donc même nous là aujourd'hui, on travaillait pas, on bossait pas, on a voulu visiter et franchement ça nous a vite saoulé. Hein. Franchement au final on est resté quoi 2 heures, 3 heures même pas. Il y a tellement de monde, tellement de stands et tout que laisse tomber quoi, c'est fatigant. Après on a les accumulations d'avant et comme il a dit, il y a des machines, il y a des trucs à tester, ils sont pas mal. Les machines à de l'avion, elles sont pas mal, j'avais jamais testé, on a testé, c'était bien. Après, nous, on a travaillé aussi la veille, on était, je pense que c'est ça aussi qui fait que... Ouais, après, moi, franchement, dans un truc comme ça, bon, pour ceux qui sont vraiment fans, c'est bien de venir. Vous pouvez tester, puis voir, entre guillemets, les influenceurs, les gens qui vous motivent et tout, prendre des photos avec, c'est cool. Après, nous, c'est vrai que nous, on n'est pas dans ce délire-là, donc c'est différent. Mais c'est vrai que tu peux rencontrer, puis échanger. Après, nous, ça nous a fait plaisir, parce qu'on a vu... Par rapport à l'année dernière, il y avait plus de Français, des gens qui nous suivent, par rapport à notre YouTube, qui sont venus nous voir au stand, donc c'était cool. Ce qu'on a loupé, bah désolé, on a même rencontré des Allemands qui nous suivent, donc ça fait plaisir. Ils ont dit qu'ils comprenaient pas dans nos vidéos, mais juste le fait de nous voir et tout, bah les vidéos et tout, ça les motivait, donc c'est cool. Et puis voilà, donc là on va manger, on va vous montrer ce qu'on va manger, et après on se casse. La Hate Academy, on charge. Ah voilà, ça c'est bien ça. Yo 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 les dragons, voilà, il fait nuit, on est enfin arrivé. 4 heures de route, donc je voulais faire la clôture de la vidéo là. Voilà, on veut faire ça. Donc voilà, on veut remercier Hachid qui nous a accompagné. Voilà, on a pris sa voiture, il nous a accompagné. Il a pu ça voir à quoi ressemblait la Fit Expo. Hachid Aka, One Punch Line. On vient d'y penser. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, merci à tous les Français qui sont venus nous voir au stand QNT. Il y en a une paire. Qui sont venus voir, on est contents. Et puis aux Belges aussi, ouais, Belges et Français. Et puis là, on est vraiment fatigués. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, bah, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Likez, partagez. Ouais, voilà. Et tous ceux qui sont venus nous voir, bah, merci à vous parce que bah, vous nous avez, comment dire, on va dire donné la force. Bah, je vais pas dire ému, mais genre, ça nous a fait plaisir en fait ce que vous nous avez dit en fait. Et le fait qu'on vous motive, etc. Et c'est puis on a pu échanger avec vous, c'était cool, on a eu le temps de parler et tout. Donc vous avez dû voir qu'on était pareil en vrai que dans les vidéos. Donc voilà, et puis j'ai que ça, à rejeter, hein. Partager, liker. Après, je vous ai pas trop mis de plans, il y a quelques plans du Fibo. Mais le mieux, franchement, pour savoir à quoi ça ressemble le Fibo, il faut le faire. C'est d'y venir. Et puis la ville Cologne, on n'a pas fait trop non plus. De toute façon, vous avez déjà aussi d'autres vidéos du Fibo qu'on avait fait à l'époque, plus celle-là. Donc là, c'était plus pour voir un peu comment se passait notre journée cette année au Fibo, tout simplement. Quoi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse là. On vous laisse là. On vous dit juste, no fake. Just training. Ouais, je suis un vieux de la vieille. Je suis fait un peu de la veille. C'est le feu que je ramène, le jeu je m'amène. Hey, tu n'es qu'un jeu de la haie. Tu n'es qu'un jeu de la haie.